les marchés avec CMC Markets trading de CFD sur actions, forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique d'Abscience tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Voilà où nous en sommes sur Abscience, on voit que les choses sont Toujours et euh, eh bien plutôt tendu sur abaissance, puisque nous sommes en dessous d'une moelle mobile à 20 séances qui descend, donc on est théoriquement toujours en tendance baissière. Néanmoins, il y a des signes annonciateurs euh, plutôt encourageants. Pour terminer avec les indicateurs techniques, regardez hein, le MACD en dessous de, de son signal, il est négatif, ça c'est pas très bon. Le momentum est négatif, c'est pas bon non plus. Seul le stochastique qui est au-dessus de son signal envoie des, des signaux plutôt, euh, plutôt positifs. Le plus euh, marquant ici c'est la présence d'une double divergence haussière, regardez sur le MACD et sur le momentum, puisque sur ces deux indicateurs, eh bien, on n'a pas fait de plus bas. Alors que sur les cours, on a fait un plus bas. Autrement dit, nous sommes face à des divergences haussières et ça, ça va pouvoir être plutôt euh, euh, constructif pour la suite de notre analyse. Alors, tout d'abord, pour bien comprendre euh, pourquoi on peut être euh, relativement... Euh, euh, et bien positif et bien il faut regarder ce qui s'est passé on voit que nous étions en train d'évoluer dans une espèce de, de triangle hein, qui ressemble presque à un canal mais c'est bien un triangle hein. ces deux côtés sont convergents et la théorie nous dit que lorsque nous évoluons dans un triangle comme celui là l'objectif est déterminé par la hauteur hein, de la première oscillation complète hein, que l'on va reporter, en dessous du point de cassure, et là on voit que l'objectif a été rallié très exactement. Peut-être que les baissiers en ont eu pour, pour leur, leur argent et qu'ils vont relâcher la pression sur Avescience. Alors du coup maintenant si on considère que l'objectif baissier a été atteint, on peut envisager un scénario haussier. Euh, il s'agirait dans ce cas de reboucher rapidement euh, ce gap dont on fait le pari qu'il s'agirait d'un gap d'essoufflement, c'est-à-dire un gap, -à -dire un gap euh, qui montre plutôt la, la fin de la tendance baissière en cours. On a ouvert un gap, regardez, hein, entre cette séance et cette séance, entre les 12 et les 14 euros. Normalement, s'il s'agit bien d'un gap d'essoufflement, euh, ce, ce rectangle vert euh, devrait être comblé assez rapidement, ce qui nous donnerait ensuite la possibilité d'aller chercher les 15,5 euros et pourquoi pas les 17 euros. Tout ça en partant du principe que euh, l'objectif baissier a déjà été rallié. Maintenant, il est tout à fait possible qu'une qu mauvaise nouvelle ou qu'un décrochage violent des indices nous amène à plutôt assister à une continuation de la baisse, et dans ce cas, il faudrait s'attendre hein, rapidement à revenir sur les plus bas qui euh, seraient alors retestés vers les 10 euros. Ici, il faudra également surveiller de près cette oblique noir là qui ne sera sûrement pas facile à passer et qui devrait euh, rencontrer les cours aux alentours des 13-14 euros. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour.